Déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. C'est premier sorti non pour le mois de mars, puisque je dis à ce 1er mars. Déjà, nous souhaitons passer un très bon mois de mars sur télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui abdominent l'actualité, à partir du 30 mars qui a venu là, Haïtien qui gagne un passeport officiel, diplomatique ou bien visa américain, canadien, ou soit visa Schengen, capable de circuler sans problème dans tout pays membre CARICOM. D'après ça, qui sorti dans 29e rencontre intersessionnelle, chef l'État et gouvernement qui était déroulé dans le pays d'Haïti 26 à 27 février passé. Président République la Jovenel Moïse a dressé un bilan positif sur déroulement conférence internationale SILA. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là José Agenor Kader convoqué devant chambre députée dans cadre d'une séance plénière qui gain pour dérouler mercredi 7 mars qui a venu là d'après député Ketel Jean-Philippe. Et puis l'agent fonds collectivité territoriale disponible pour mairie. Cependant mairie doit identifier projet yo pour procéder passage de marché fait avant ministère planification débloquer fonds là. D'après ça ministre planification coopération externe Avlor Florian ensemble avec ministre intérieur à collectivité territoriale Max Rudolph Seltalbin fait connaître. Et puis à l'étranger, 15 personnes mourir pendant un accident côté deux trains frappés ensemble. Et bien, incident ça, il arrivé dans le pays Égypte hier mercredi. C'est grand point ça yo à quelques autres. N'a pas pour nous capable développer pour dans journal là, n'a petit coup de pause pas déplacer n'a tourner table. Nous retournons pour développement information. Merci pour fidélité à attention. Et j'en ai dit dans le grand titre, le président de la République, la Jovenel Moïse, dressé un bilan positif sur deux jours 26 à 27 février 2018, là, sur 29e session et CARICOM qui était déroulée par Boïsite. Le contrat te permet à autorité différents pays dans le Caraïbe discuter sur ensemble problèmes à faire face et puis dégager quelques pistes solutions pour améliorer fonctionnement à relation. Anne-Marguerite Auguste à Kevin Pierre a présenté le reportage. Après deux jours de discussion entre différentes autorités dans la 29e session CARICOM, chef l'État et chef gouvernement ont adopté diverses mesures qui permettent au pays CARICOM de capacité de résoudre les problèmes entre eux et puis faciliter la population pays membres de voyager sans visa. Chef l'État croit que session ça a eu possibilité de discuter en profondeur sur quelques difficultés qui concernent les barrières dans la gestion et le fonctionnement du pays CARICOM. Nous encourageons également l'État membre pour être capable d'organiser tête pour nous capable de joindre l'argent fonds vert. Parce que gan pile possibilité dans fond vert là pour pays dans zone Caraïbes là ka joine financement dans lutte contre changement climatique yo. Nous mandaté Conseil pour sécurité nationale et application loi yo qui est le conseiller et agence qui travaille dans l'application dans la politique dans CARICOM pour criminalité et sécurité, impact pour créer un groupe de travail intra-régional qui a bien expert dans le domaine ça. Avait dit un groupe de travail qui a bien expert dans tout pays qui participent là-dedans. Groupe de travail ça, il est là pour formuler et pour proposer une série de solutions innovantes par chef d'État et par chef de gouvernement dans les affaires de lutte contre la criminalité et la violence. Dans les affaires de lutte contre les terroristes,
Nous proposons une stratégie et nous prenons engagement pour nous adopter une législation sur le problème ça au plus tard 1er juillet année 2018 là. Président République là annoncé une disposition qu'a prend pour créole tourner une langue travail dans CARICOM. Chef l'État promet la continuer travail pour voyer une plus belle image Haïti sur scène internationale là. Moi crois que c'est un bon bagage dans le futur pour être du créole là dans CARICOM dans tout parce que gagné on a fait de examen que on a fait pour tout petit monde dans Caraïbes là. Moi rêvé ouais que examen ça yo pour ça dit le pour tout monde dans bon baccalauréat caribéen c'est en créole que vous faites et Haïti image nous c'est un handicap que nous gagnons qui fait pas qu'à lever camper c'est notre destruction image nous aujourd'hui moi président pays a depuis un an image pays a tout ça possible pour me faire pour faire que l'image d'Haïti respecte à l'extérieur n'a pas fait. J'ai nous commencé à faire dans lutte n'a pas fait contre corruption. J'ai nous commencé à faire dans route n'a pas construit dans tout pays. J'ai nous commencé à faire dans électricité nous va le mettre dans pays pour petit tout haïtien qui a besoin courant les besoin pour étudier. Image pays aujourd'hui nous a travaillé pour que tout le monde sur la terre capable de connaître que Haïti son pays où il fait bon de vivre. Haïti son pays qui a une belle plage, son pays qui a une bon l'eau naturelle, je vais parler de toute cascade nous connaît que pays a rien. Ça veut dire aujourd'hui c'est ça nous besoin pays côté fok monde qui a parlé de bien de pays a parce que Haïti c'est là où gardons vers l'eau, l'eau well c'est pas à moitié vide pour elle, c'est moitié faut regarder la à moitié remplie. C'est Haïti qui a rêvé et c'est pour l'inapteur. Création CARICOM fait un objectif pour permettre aux pays Caraïbes de jouer un espace pour discuter des problèmes, analyser plus bonnes méthodes pour une plus bonne relation en mi-temps. Ça fait deuxième fois Haïti présider CARICOM. Prochain rencontre a déroulé dans le pays Jamaïque, sorti 4 pour arriver 6 juillet 2018. Là. Nous prenons dans le Parlement haïtien sous Port-au-Prince, puisque nous avons membre de la Commission intérieure et collectivité territoriale, ensemble avec membre de la Commission planification et coopération externe dans le Sénat République, qui chita parlé avec le ministre intérieure et collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, et puis ministre planification et coopération externe, Aviola Fleurant. Dossier blocage en fond collectivité territoriale yo tenamita discussion yo. Des parlementaires ont fait connaître problème qui existait entre Fédération nationale à magistrat haïtien yo ak ministre planification wa sur route pour li capable résoudre. Deux commissions prévoient pour capable chita parler faire l'autre rencontre 5 mars cap venir là entre Fenama ak ministre planification et puis ministre intérieur pour capable définir modalité yo. En nous souvient extrait dans micro Fedler confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Nous discuter avec yo à partir de argumentation que Fenam lui-même t'a fait hier et interprétation qu'il t'a fait tout de arrêté septembre 2017 et sous question qui est-ce qui capable délégué ou pas délégué et ouvrage maîtrise d'ouvrage yo et le nous garder en ce qui a trait à l'interprétation de la loi pas gagner on mésentente divergence c'est planification li capable délégué mais li même tout li capable et kembe pouvoir pour li gagner maîtrise d'ouvrage yo. Et cependant sur l'opérationnalisation permettre que projet yo aller plus vite et nous ouais gagne possibilité pour ministère planification ministère intérieur et les commissions des deux chambres té capable chita pour nous ouais comment aller plus vite et permettre que nous kembe stabilité politique tranquillité que institution yo sérénité que institution yo besoin pour le travail comme
commission, président commission planification, pour moi, problème n'a résout déjà. Pour qui ça? Parce que compréhension qui dégageait avec Fenamière et compréhension que nous dégageait avec ministère planification, ministre planification et ministre intérieur, c'était juste un problème de communication. Et dans ce sens, ça, nous déjà mettons d'accord pour lundi 5 mars, pour une rencontre qui fait pour nous dire DG contre Matokaba et ensemble pour nous compte comment nous allons jouer une solution, pour solution yo, et pour nous opérationnaliser tout l'État, parce que nous-mêmes et nous-mêmes nous dit nous tous c'est l'État, pas qu'il y a une bataille entre nous, son compréhension pour dégager, et nous penser et j'en ai dit à ces communications, parce que tout approche, ils arrivent à la même conclusion. N'a toujours été dans le même dossier cela, puisque le ministre planification et coopération externe à Vieux Florent, et puis ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rodolphe Saint-Albin, fait connaître sous Bopayo l'argent fonds collectivité disponible pour mairie, qui doit identifier projet pour posséder passe à son marché capable de faire avant ministère planification et coopération externe débloquer fonds à yo. Ministre Aviol Florent et ministre Max Rodolphe Saint-Albin souligné pas de guerre aucun problème avec mairie, mais c'était de préférence un problème en communication qui était existé. À nous suivre extrait. La bonne nouvelle c'est que depuis c'est fonds communs, fonds collectivité qui en rapport à budget 16-17, moi t'étais en tant que ministre responsable sauver toute comme là avant 30 septembre et comme là disponible dans poste comptable section économique 2 et tout comme ça yo actuellement a viré vers les ministères qui gagnent maîtrise d'ouvrage délégué et pour yo capable exécuter. Cependant, la commission a estimé nécessaire qu'à cette phase, il faut qu'on rencontre avec FENAM pour yo capable permettre que mairie yo approprié au projet, yo participé au processus pour développement qu'a fait là, yo même en tant que vigie, yo gagné un regard légitime, légal et constitutionnel sur ce qu'a fait là. Nous constatons que nous avons un gros déficit de communication. Et de ce fait, hier, il y a une rencontre qui était faite de façon isolée par deux commissions dans le Sénat avec FENAM. Il y a deux bagages, des perspectives qui étaient dégagées assez positives. Et je dis, mais deux commissions Sénat ça a rencontré avec deux ministères qui concernaient. Et justement, il y a que finalement, pas de gros crise au fait. Sinon, c'est entendre pour entendre et finaliser mode pour nous continuer à avancer. Et c'est vers là que nous allons aller. Honorable sénateur, je vous dis là que le 5 mars prochain, rencontre à discuter et là, tout acteur qui concerné, c'est-à-dire FENAM à plat, nous-mêmes, ministre planification, ministre intérieur et certainement commission intérieure et commission planification des deux chambres à plat pour nous continuer et finalement sortir avec au modus operandi pour que problème ça évacue une bonne fois pour toutes. Nous avons toujours été sous Bissanner, sauf que nous avons quitté le Sénat, nous avons allé dans la Chambre des députés, puisque l'Assemblée des députés a approuvé mardi 27 février passé le projet de loi sur réforme et modernisation enseignement supérieur haïtien. Le projet de loi, le gouvernement a été déposé devant le Parlement, gagné environ 173 articles là-dedans. Il y a un objectif pour capable régulariser l'enseignement supérieur en Haïti. Président commission enseignement supérieur et recherche la député Abel Décolina exprimer satisfaction pour voter projet loi cela. L'étonamico Fedner confident avec Moïse Joseph Wilbridge. De 1804 à date l'université ou l'enseignement supérieur en Haïti pas jamais doté vraiment d'une loi
organique qui définit pour réguler ça n'est enseignement supérieur. Ce qui fait que nous dans un contexte côté l'enseignement supérieur en Haïti, l'objet de toutes les dérives, l'objet de une grave crise, même gens à de l'autre secteur dans société. Donc votre loi ça qui visait à réformer et à moderniser l'enseignement supérieur, nous pas voulu dire c'est une grande première, mais nous dit c'est historique puisque loi ça li pral marquer un tournant justement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche en Haïti. C'est pourquoi la 50e législature, tout au moins la Chambre des députés, l'y fait œuvre qui vaille lorsque justement nous entériner un tel projet de loi. Maintenant, il reste au Sénat de la République de statuer sur cette loi pour que définitivement l'enseignement supérieur en Haïti capable de réguler pour gagner de nouvelles directives et somme toute pour éviter cette balkanisation de l'enseignement supérieur pour nous répéter un gros spécialiste haïtien, Pierre Delima, quand il parle de l'enseignement supérieur, tellement gain désordre dans ce secteur ça, il parlait de balkanisation. Toujours dans la chambre basse, et nous te disons dans la grande situation, le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre Josué, Agenor Kader, convoqué devant la chambre des députés dans le cadre d'une séance plénière qui est capable de dérouler mercredi 7 mars qui a venu là. Le ministre a gagné pour être capable de bailler explication devant l'Assemblée des députés. Ce problème, toute qualité secteur éducatif là a fait face, surtout manifestation élèves à grève professeurs qui a fait dans quelques régions dans le pays d'Haïti. Président commission éducation dans la Chambre des députés, qui était là, Jean-Philippe, a apporté plus d'explications dans le micro Fedler Confident avec Joseph Wilbridge. Nous convoquons pour le 7 et commission éducation a déjà écrit président Garibodo. Pour demander lui convoquer le ministre pour nous en séance plénière pour nous poser problème nomination enseignant pour nous poser problème et la formation professionnelle parce que toute l'école et technique professionnelle n'a pas fonctionné depuis en novembre et pour nous mener question nouveau secondaire parce que il y a un pile côté du mouvement qu'a fait là c'est parce que le ministère a décidé de généraliser le nouveau secondaire mais il va mettre cadre il va mettre professeur pour enseigner nouveaux cours nouvelle matière qui vient dans ce système-là. Donc, nous avons attendu le ministre la semaine prochaine parce que l'invitation est déjà à l'Alvin Bioa pour l'inviter le 7 pour nous faire une séance plénière et pour nous poser le problème véritable système-là. Et nous demandons, et normalement, pour éviter normalement, le mouvement qui a fait là, les politiser pour que ces problèmes d'éducation réellement qui posent. Et moi-même, je demande au ministre là tout pour faire des visites au niveau lycée parce qu'il y a un pile lycée qui va travailler, c'est deux ou bien trois professeurs qui peuvent nommer ou bien pour toucher. Et directeur lycée, surtout qu'on pratique pour changer de pensée. Léon professeur, il nomme le parvenu. Et directeur, pour le combler vide, il prend l'autre monde mettre en place. Ce n'est pas ça pour le faire, c'est rapport pour le faire contre le professeur qui parvenu présenté dans la salle de classe. Une façon pour problème, j'ai des problèmes, ça n'est pas posé. En faut quitter capitale là pour nous aller dans la ville Okaï département sud magistrat Okaï la Gabriel Fortuné dressé un bilan positif sur divers travaux li réalisé depuis li monté dans tête commune Sila li fait connaître projet ça qui réalisé dans intérêt population Kayenna doit bay Okaï un autre visage pendant les annoncer divers autres projets qui gagnent en perspective annoncé. Marché qui devant ça qui cœur là, il pas une place ni encore. Il est pour le démolir effectivement. Il prêt à le démolir. Entre-temps, on a négocié pour acheter, il mettait dans le budget, nous dans le budget mairie pour nous faire acquisition de deux espaces assez importants du côté de Cassiel. Marché ça a pas carité là pour deux raisons. Première raison, c'est une raison très technique et qui est dangereuse. Yo, marché a pas de fait pour le déprimer étage. Administration communale qui était là, pour capable faire plus la quête, ils mettaient étage sur le marché et puis trafiquaient avec le marché. N'importe 4.5 qui passait en termes de séisme, nous connaissons qui ça capable de bailler comme maintenant résultat. Deuxième raison, c'est un marché qui paralysait le quartier du Sacré-Cœur qui logeait
église, école, etc. Yon nan pi gwo katye ki genye nan l'histoire vi lokal. Tout projet ke monsieur pale nou la, vous voyez tout bay premier ministre. Chaque ministre qui concerné, vous voyez le bay. Vous voyez le bay député nan, député au bas, et chaque sénateur yo, sénateur Foucan, sénateur Salomon, sénateur Sildor, yo genye document. Et nous mande yo pou yo fè suivi. Directrice générale Institut National de Formation Professionnelle, Maggie Dulce visite hier mercredi en centre de formation technique et professionnelle qui trouvait dans WAF Jérémy Port-au-Prince. Maggie Dulce annonce qu'il pourrait faire démarche pour permettre sans cela bénéficier matériel qui permet de fonctionner sans difficulté. C'est quoi pas qui, avec le roi d'Ali Jean-Jacques, a présenté nos reportages. Centre formation technique et professionnelle WAF Jérémy dans la commune Cité Soleil qui inauguré dans la date 27 janvier 2015 a fait face à difficultés à cause matériel qui manquait pour permettre aux étudiants de faire pratique. Directrice générale Institut national à formation professionnelle là, Maggie Dussé, qui a visité l'école professionnelle ça pour mettre avant longtemps centre ça pour bénéficier laboratoire informatique à l'autre équipement. Le centre professionnel de WAF de Jérémy, c'est plus bel centre qui construit dans le pays d'Haïti, oui, ce n'est pas seulement dans l'Ouest, là, non. C'est le plus grand centre qui a plus de capacité d'accueil. Et puisqu'il a plus de capacité d'accueil, il est déjà le plus grand centre professionnel d'Haïti parce que nous gagnons presque 3000 jeunes qui déjà a commencé à prendre formation. La question équipement, n'a finaliser question formateur yo, question programme de formation yo, pour que yo assurer que chaque filière y a capable recevoir des formations selon l'approche par compétences. Directeur de formation technique à professionnelle WAF Jérémyan Jean-Marie Monrose expliquait l'école professionnelle ça a gagné capacité pour recevoir 3000 jeunes qui intéressés à apprendre plusieurs métiers. Grande ouverture, grande chose, ouverture officielle, toute l'école là, d'autant que nous-mêmes nous déjà dans une simulation de fonctionnement. C'est-à-dire, avant même, c'est une tellement grand pile jeune, comprendre là, 3000 épiques jeunes. Donc ça m'a dit pour nous faire une sorte de simulation de fonctionnement pour nous capter temps, organiser, structurer les différents groupes classes à recevoir. Déjà, bayo professeur et puis bayo yon avant goût technologique déjà pour qui ça l'école l'apprenier en matière de discipline, en matière de qualité de formation, etc. etc. Grand pile discipline. Premièrement, il y a le métier de la construction, tant que construction bâtiment, électricité domestique, et les installations sanitaires, hydrauliques, les plomberies, on a gagné les constructions métalliques ou bien les travaux de soudage. À part ça, on a gagné mécanique automobile, on a gagné informatique et dépannage d'ordinateur, on a gagné cuisine, pâtisserie, bonne, les métiers de l'hôtellerie, et puis on a gagné cosmétologie. Et puis, nous gagnons les études commerciales. Dans le cadre d'un programme création de travail qui porte nom, yon jeune, yon métier, diverses jeunes filles bénéficient de formation dans le domaine de cosmétologie dans l'école professionnelle WAF Jérémy. Nous allons poursuivre avec l'information pour retourner dans la capitale Port-au-Prince. ONU Femmes en tête collée avec l'État haïtien réalisé un atelier de travail durant deux jours, mardi 27 et hier mercredi 28 février, pour capable réfléchir sur le problème mesdames à faire face à l'espace politique là dans le pays d'Haïti. Femmes et organisations qui défendent les droits femmes qui sortent dans 10 départements géographiques du pays d'Haïti participent dans l'activité SILA. En nous suivant compte rendu avec Rodney Doléan et puis Bozilla Jordané. Participation, mesdames, dans tout espace décision à prendre pour permettre la société de bien marcher paraît faible. C'est une parmi diverses raisons qui la cause Haïti comme 187e pays sous échelle mondiale là. Côté participation femme pas respecté dans ensemble décision qu'a prend dans ça ONU Femmes en collaboration avec l'État haïtien réalisé une série atelier discussion côté femme avec diverses organisations qui défendent droits femmes vinn placer mot paio
sous ensemble problème qu'a traversé catégorie ça d'après Kenis Fanor. Dans quatre projets ça, on a essayé chercher synergie avec tout acteur qui est impliqué dans la dynamique électorale là, que ce soit société civile, que ce soit comme si acteur international, que ce soit acteur national. Jodi an, on a réfléchi avec organisation femme qui travaille sur question gain rapport à participation politique femme, à violence sous femme, que ce soit à Port-au-Prince ou bien dans l'autre département yo, pour yo mettre ensemble, pour yo dire qui gens yo ka fait ensemble pour combattre violence yo fait sous femme dans l'espace électoral. Menace ak jument toute qualité, c'est quelques parmi obstacles qui empêchaient mesdames yo participer dans question élection pays d'Haïti, selon responsable projet atelier ça. Pour aborder plus bien question ça, mesdames yo décidé mettre campé yon plateforme qui gen la dan plusieurs cellules pour renforcer action mesdames yo dans période d'élection. Gen 4 cellules pour l'instant qui a fonctionné dans plateforme non. Gen cellule sensibilisation et éducation. Gagner cellule médiation et facilitation, gagner cellule plaidoyer et réforme du cadre juridique, gagner cellule observation et surveillance, et puis gagner un responsable communication dans plateforme. Donc plateforme là, il gagne pour le travail suivant une logique à court, moyen et long terme. Et constitution plateforme là, il entraîne une démarche surtout à long terme qui visait une et démocratie participative côté ni femme ni garçon, tout le monde capable gain droit pour yo intégrer politique, parce que participation politique c'est un droit citoyen. Et en pile fois nous constater que gon ensemble d'obstacles qui empêchent femmes participer dans politique comme ça doit, en particulier violence qu'a fait sur en contexte électoral. On a travaillé au conseil électoral provisoire là tout, donc sur toute question loi électorale, donc c'est depuis à la base pour nous commencer prendre et question ça yo, et n'a travaillé tout avec police nationale d'Haïti qui est responsable question sécurité les gain élections. Donc c'est tout package là que nous devons considérer et nous devons commencer bonheur. C'est ça qui fait malgré nous pas dans période électorale qu'on est là, mais nous commencer travail, nous commencer faire travail sensibilisation, plaidoyer pour que les moments arrivent vraiment tout le monde prêt pour embarquer dans sens ça pour capable réduire violence que mesdames ont subi surtout dans le processus électoral. Diminuer violence qu'a fait sous femme dans l'espace politique yo, c'est thème qui était marqué des journées atelier réflexion ça qui arrivait dans Boutli mercredi 28 février. Activité ça réalisée grâce à financement l'agent ambassade Canada. C'est là nous fermons chapitre local là, nous pourrons aller à l'étranger, nous te dit dans grand titre, nous parler sur continent africain, puisque pour petit 15 moun a perdu la vie dans un accident de train qui fait dans le pays Égypte hier mercredi. C'est un train qui t'a porté marchandises et un autre train qui t'a porté moun qui frappé bab pour baba. À nous suivre un reportage avec Eurnews. Au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans un accident ferroviaire en Égypte ce mercredi. Un train de marchandises et un train de passagers sont entrés en collision. La catastrophe s'est produite dans le nord du pays, à Al-Bahiriya. Elle intervient après qu'une collision entre deux trains près d'Alexandrie a fait 41 morts en août 2017. 30 ambulances ont immédiatement été envoyées sur les lieux de l'accident, d'après le porte-parole du ministère de la Santé. Les victimes et les blessés ont été transportés vers des hôpitaux. Dépêchée sur les lieux de l'accident, la gouverneure locale Nadia Abdo a été prise à partie. « Nous voulons une explication », a scandé la foule. N'a quitté continent africain, n'a venu en Amérique, puis près nous dans pays États-Unis, puisque enquête qui a mené sous possibilité complicité qui t'a gagné en pays la Russie avec administration Donald Trump l'en fait une autre victime. Directrice en communication président américain Hope Hicks remet démission li nan poste li. Li fait partie yon liste qui déjà long gros responsable ak pocha conseiller Donald Trump qui a abandonné bateau administration Trump là. Euronews pour plus de détails.
Un autre départ à la Maison Blanche. Hope Hicks, proche conseillère de Donald Trump, a annoncé sa démission. La jeune femme de 29 ans qui avait rejoint très tôt et sans la moindre expérience politique la campagne de Trump occupait depuis septembre dernier le poste de directrice de la communication. Discrète dans les médias mais influente en coulisses, cette ancienne mannequin qui avait travaillé pour Ivanka Trump avait l'oreille du président qui lui faisait confiance. Au bureau d'AP à Washington, on explique que cette décision vient peut-être du fait qu'elle a été visée par l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie. Elle était au Capitole la veille de l'annonce de sa démission pour répondre aux questions à huis clos de la commission du renseignement de la Chambre des représentants. C'est quelqu'un à qui l'équipe de Mueller a voulu parler de divers incidents dans lesquels elle était impliquée. Elle était au centre de la controverse. Hope Hicks aurait été peu loquace devant la commission. Elle était la quatrième personne à occuper le poste de directrice de la communication depuis janvier 2017. N'a toujours été aux États-Unis puisque après fusillade à 14 février qui était faite dans l'État Floride là, et bien pression toujours sur le président américain Donald Trump qui a étudié possibilité pour lui capable mettre à 21 l'année l'âge pipiti pour mon acheter des armes dans les États-Unis. Euronews. Prudemment, le président américain semble vouloir aller plus loin sur les armes à feu. Devant un groupe de parlementaires républicains et démocrates convoqués pour travailler sur un projet de loi sur les armes à feu, il s'est montré prêt à relever l'âge légal de 18 à 21 ans pour acheter des armes. Je suis le plus grand partisan du Second Amendement. Beaucoup d'entre vous l'êtes. Je suis un grand fan de la NRA. J'ai déjeuné avec eux et je leur ai dit, il est temps. Nous devons mettre un terme à cette absurdité. Il est temps. La pression est venue des rescapés de la fusillade de Parkland. Après la mort de 14 d'entre eux et 3 professeurs il y a 15 jours, les élèves de Floride ont finalement repris les cours hier. C'était bien d'être soutenu par tout le monde. Je suis contente que cela nous ait tous rassemblés au lieu de nous diviser. Ma professeure a pris la parole et elle a prononcé le nom de Luc dans son discours et beaucoup se sont mis à pleurer parce qu'on savait tous qu'il était parti. On essaie juste de retrouver une certaine normalité comme avant parce qu'au bout du compte, la vie doit continuer, vous savez. Plus tôt, le géant des supermarchés Walmart et une chaîne de sport ont annoncé qu'ils ne vendraient plus d'armes aux moins de 21 ans. Et comme Walmart en 2015, Dick's Sporting Goods a annoncé qu'il cessait la vente de fusils d'assaut semi-automatiques. Et déjà 7h30, il arrive un moment pour nous capables d'aller. Mais avant que nous disons bye-bye, permettez que nous rappelons un grand point qui domine l'actualité. À partir du 30 mars, qui a venu là, haïtien qui a un passeport officiel, diplomatique ou bien visa américain ou bien visa canadien ou bien Schengen, capable de circuler sans problème dans tout pays membre CARICOM. D'après ça, qui sorti dans 29e conférence intersessionnelle, chef l'État et chef gouvernement CARICOM qui était déroulé par Boïsit dans Port-au-Prince, 26 à 27 février passé. Président République là qui c'est au président CARICOM Jovenel Moïse dressé un bilan positif sur déroulement conférence internationale c'est là. Ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre José Agenor Cadet convoqué dans chambre député dans cadre d'une séance plénière qui est pour faire mercredi 7 mars qui vient là d'après député Ketel Jean-Philippe. L'argent fonds collectivité territoriale disponible pour Mério, cependant Mério doit identifier projet pour posséder passation marché en fait avant ministère planification à coopération externe débloquer l'agence SILA, d'après ministre planification à coopération externe à Vieux Florent et puis ministre intérieur à collectivité territoriale Max Rodolphe Saint-Albert. Et puis à l'étranger, deux trains qui frappaient bas pour baba hier mercredi dans le pays Égypte, la cause 15 personnes perdu la vie. Nous sommes contents là pour être capable de présenter le journal. Là, nous sommes seulement pour être capable de souhaiter au passé un très bon jeudi, un très bon mois sur le Télévision nationale d'Haïti.